Alors les endroits où on a visité, c'est sûr que non. Les caches, c'est sûr que non. Mais ce serait pour le cadavre, je sais pas. Ah ouais? Vu qu'il faut qu'on retourne en vie, je sais pas. Il me propose qu'un seul serveur, celui du milieu. Et on, c'est 15 sur 16, il n'y a qu'une place de libre. Non, tout le monde a dû se reconnecter, super. Bah moi j'en ai d'autres des serveurs. Ah non, celui du haut. Oh, merde, j'ai cliqué sur un, je sais pas s'il y a du monde ou pas. 2 sur 16, c'est le seul qui est dispo. Bon bah je vais dessus. Attends, j'ai cliqué sur un, je sais pas lequel c'est. Il y a du monde avec moi. Bah tout le monde est en train de se connecter, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, un Six Man Zip. Il y a Six. Je sais pas. Je vois un mec avec un casque bleu. Est-ce qu'il y a un hélicoptère à côté? Parce que moi je suis dans le spawn, j'entends un hélico. Non. Ah. Ah si, là il y a un hélico qui arrive, mais je pense pas que ce soit. Non, il vient de s'en aller, mon hélico. Du coup. On peut pas savoir le nom du serveur. Non. C'est sûr qu'on est pas dans le même serveur, donc je quitte. Vas-y, c'est... moi c'est le premier dans la liste. Ouais, moi j'en avais que un sur les trois de disponibles, deux autres. C'était... Check celui qui était en haut. Ouais. Celui qui est le plus en haut. Ok, j'ai cliqué sur celui qui est le plus en haut, 9 sur 16. Mais ça doit être ouf d'aller prendre la base des autres, quoi. Avec toutes les IA plus les machins, tu sais. Ce qui doit être ouf, c'est d'aller dans la première ville des autres et attendre les autres et faire du PVP contre eux, quoi. Ah ouais. Ah, t'attends sur leur, ah ouais. Sur leur Zeta. Ah ouais, grave. Tu les attends sur les Zeta, ils se déposent, tu les shootes. Et tu veux leur stuff. Ah, ce qu'il faut pas faire. Ça détruirait le jeu. Bon, du coup, ça m'a quand même redonné mes charges, enfin mon arme, donc bon, déjà ah, ça. Ah, je suis avec toi, c'est bon. T'es sûr? Ouais, okay. Certain. Vas-y, bah appelle et un. Alors... Ah, mais pour la task, c'est bon. Ça nous a. Pour la task, c'est. C'est ouais, validé. C'est bon. Ouais, c'est validé. End over. Toutes les tasks sont validées. Ok, comme si on a survécu. Nickel. End over. Bah, par contre, je clique sur end over, ça fait rien du tout. Génial. Ah. Moi, j'ai pas de end over. C'est pour la brat. End over. Mais attends, mais. Et pour Kanoa Sinarat, là, fallait trouver son casque, mais fallait aussi find the proof of identity. Ah non, faut aller peut-être les voir là. Ah oui, la brat. Une report ah oui, d'accord, ok. Mais je. Tu veux end over, toi, la task? Non. Non, non, en fait, bon, il aurait fallu, ouais, trouver un, très certainement une pièce d'identité ou un truc comme ça. Il faudrait lui donner, mais on l'a pas, en fait. On n'a pas de end over, on n'a rien à lui donner. Mais pourtant, il propose. Non, mais end over, il est apparu dès qu'on a marché sur le cadavre, en fait. Ah, j'ai débloqué un t-shirt. Génial. D'accord, attends, et donc sur les autres. Ah oui, t'as fait compléter sur les autres, celle-là. Tu fais complete. Et compléter sur celle-là. Ok. Et tu peux récupérer dans tes messages. Ah là, c'est bon. Ah ouais, un Mach 2, TC2000. En plus, qu'elle propose Endover, c'est sûr que c'est bon, mais. C'est 6. Ah, y'a deux balles là. C'est qui? Furlex is a noob on Tarkov. The real Sisketch from the Earth. Furlex, is no way. Furlex is shit on Tarkov. Furlex is bad on Tarkov. C'est qui Furlex? C'est lequel? Allez, salut hein. Furlex caca on Tarkov. Very bad player. Allez, bisous. Caca on Tarkov 6-4 aussi hein. Ouais mais fermez vos gueules toi, ferme ta gueule. C'est plus bruit. T'es belge, t'es belge, t'es belge. Pourquoi t'as un casque bleu frérot? Putain. Ah mais, moi, hein. Ah mais non mais t'as changé de truc. Pourquoi ouais. À chaque fois tu prends la tête la plus con quoi. Tu veux te faire tes cas qu'on prenne pour un ennemi? Bah tu peux me tirer dessus, y'a pas de problème hein. Je sais mec, regarde hop. Putain, je te jure. Mec, je suis éclairé, je suis normal, je suis silencieux, mais j'ai pas de viseur. Ah oui. Où ton silencieux sur le son 2? Je l'ai acheté à un marchand. Ah, mais t'as déjà okay. Un marchand level 2, c'est ça? Non, j'ai débloqué un nouveau marchand. Oh, ah ouais, le mec il débloque des nouveaux marchands, quoi. Mec. Ok, bon, qu'est-ce qu'il fallait, on avait dit? Endover, ah, oui. C'est bugué. Ah oui, le endover est bugué. J'ai collecté des trucs. Ah, là je peux. No space to add all items. Ah bah merde.
Ah bah t'as déjà, déjà fou les gars. Ouais, va falloir que je vende. Bisous poulet. Ah merde, ah oui. Va falloir que je vende 2-3 trucs. Genre 100. 100. 100. Non, je peux mettre des trucs dans tes sacs. Ça, ouais, mais bon, il y a des trucs qui ont l'air d'être complètement pourris, donc. En vrai, Balek. Bon, ça, ça a l'air pas trop mal en revanche, le petit. BM, ça. Et là, on est pas trop mal. Bon, ça, ça, d'accord, 1$ quoi, super. Super! Et attends, il y avait un autre truc que je voulais faire, c'était peut-être un peu changer mon Glock. Parce que j'aime bien passer au Glock, moi. Et j'ai envie de lui mettre une plateforme dessus. Alors ça, normalement, ça doit être pour le Red Dot. Donc si je mets ça... Mais après, il va peut-être falloir un... C'est quoi comme Glock? C'est un G17? Ok, G17. G17. G17 ici. Dessus, on peut mettre peut-être G17 Slide, Titan Slide, force de G17. Ok. Ok, bon, vas-y, bye. On va voir ce que ça donne. On va le mettre là. On va faire inspecter. On va faire G17 Slide. On va le mettre dessus. BM, déjà, c'est un peu mieux. Et ensuite, du coup, est-ce qu'on peut mettre des mounts dessus? Alors, si on prend... Si on prend ça, par exemple, ça fait quoi? Voilà. Du coup, on a le truc au-dessus. Et ensuite... Ah, c'est marrant, ça. Ah, il est là. Ça, ça peut se mettre dessus, je pense. Et là, on devrait avoir un truc pas trop mal. Yeah! Ouais, j'ai équipé mon G17 parce que ça me cassait les couilles d'avoir un G17 de base. Est-ce que j'ai des coups recours pour voir si je peux donner complète la task? Ah, ou alors peut-être que la task est buggée parce que ça nous a fait quitter et du coup faut y retourner. Mais c'est montré comme si on a déjà trouvé. Ok. Tu disais ouais, la labrate, est-ce que je découvre recours pour voir si ça fonctionne? Ou est-ce que c'est buggé parce que ça nous a fait quitter le serveur? Et du coup c'est buggé parce que voilà. Je sais pas. Que ne puisse pas endover et que ça ne me donne pas la prochaine task, c'est un petit peu dommage. Mieux que Tarkov le jeu. Bon, faut pas déconner, le jeu est encore en alpha. Tarkov, ça fait 7 ans qu'il est là, tu sais, donc c'est pas tout à fait le même. C'est pas tout à fait pareil. Là, on est sur un. C'est pas tout à fait pareil. Non, Tarkov est quand même beaucoup plus fini. Mais en moins, il y a le côté Tarkov commençait à devenir vachement sur certains aspects. Enfin, il y a eu certaines routes qui ont été prises par Tarkov qui sont un peu reloues, quoi. Et en particulier, la route du lourd. Les personnages sont lourds et tout. Donc il y a beaucoup de gens qui sont un peu déroutés par le côté extrêmement lourd de Tarkov, quoi. Plus de potentiel? Je sais pas. En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Pas plus de potentiel, au début je dirais oui, mais la carte elle est pas infinie non plus. Bah ouais, je pense ouais. Je pense que quand t'auras fait le tour de la carte et le tour du jeu, après bah c'est un peu mort. Ouais voilà, il faudrait faire des trucs de ouf. En fait, le seul truc qui peut donner une existence sur le long terme, souvent, c'est le PVP. Donc il va falloir un PVP de ouf en vrai quoi.
il faudrait un PVP de ouf, parce que le principe même du PVP, c'est que ça permet du coup de... Il n'y a pas besoin de contenu sur du PVP. Les gens seront contents, quoi. Mais du coup, bah, faut des prises de base, ce genre de truc-là. Pourquoi pas des bases qui doivent être tenues par des un côté un peu RP, un peu à la Star Wars aussi, comme c'était le cas dans les MMORPG, c'est-à-dire... t'as une base et si la base elle est attaquée et que tu la perds, bah les gens t'enculent quoi. Par exemple, si tu te fais attaquer la nuit à 3h du matin par un raid d'une autre faction, eh ben ils vont pouvoir te prendre, je sais pas moi, la thune ou ton système de banque ou ce genre de truc là quoi. Il faut avoir un côté gratifiant d'aller attaquer la base en face. Et donc de facto une volonté de la part de chaque personne de vouloir la défendre et tout. Et voilà. Du coup, tu veux qu'on fasse quoi, poulet ? Bah, les deux nouvelles quêtes qu'on a reçues. Ah, attends, je les ai peut-être pas prises. Task available, accepté. Task available, accepté. Nous sommes bons. Open. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Collecter, encore un tracker. Collecter, d'accord. Bon, voilà. Là, ça a été bon. Tu m'as dit que l'Abrapt, on peut toujours pas normalement lui hand over anything. Vu qu'on s'est fait déco. Attends, task. Ouais, ça marche pas, effectivement. Du coup, il faut faire quoi ? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que déco reco. J'essaye de déco reco et si ça fonctionne, tu fais pareil. Vas-y. Donc ouais, non, ça peut être un bon jeu qui arrive à trouver au final, qui arrive à trouver son marché, si je puis dire quoi. Le problème, c'est qu'il va falloir des serveurs en carte, il va falloir des serveurs de ouf, et pour avoir des serveurs, enfin des bons serveurs quoi, pour avoir des bons serveurs, ben forcément, il faut de la thune, pour de la thune, faut du monde. Voilà quoi. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de la part des joueurs de pas être dans une logique d'XP et après j'arrête, mais de j'y retourne en fait. Vraiment j'y retourne quoi. Aussi autre chose de Tarkov, il y a un côté skill-based quand même. Il y a vraiment un gros côté skill-based pour le coup. Il y a vraiment des très bons joueurs de Tarkov. Là je pense qu'il peut y en avoir, tu vois. Mais c'est le problème de l'Unreal Engine. Bon... c'est pas les mêmes... Les mécaniques sont assez simplistes au final. Bah au final, le fait d'avoir des coups recours, ça sert à rien. Ok. Rien. Et sauf que je suis pas dans mon serveur. Bravo. Bah j'ai cliqué sur le premier, de tout en haut. Et c'est plus celui-là. Alors j'ai cliqué sur le deuxième. Tu as une info de combien a coûté le jeu au lancement ? Non, aucune. Bon, ça, c'est le genre de jeu qui va tomber à 49 balles. Hein. 39, 49. Bon, la deuxième quête, on peut pas. Ok. Donc, bah, go faire les autres. Ok, bah, vas-y. Donc, un hélicoptère a écrasé au sud de la station service, la première. Et la deuxième, il faut un marqueur et trouver un cadavre à côté de la mairie. Alors, la mairie, je sais pas où elle est. Ça, c'est la mairie. C'est marqué quoi? Around the town hall, ouais, c'est ça. Dans le jardin de la mairie. Alors, qu'est-ce que la mairie sur la carte? Je sais pas. Bon, bah, j'appelle un hélico, même Zeda. Ah, bah, d'accord. Ouais, quoi? Bah, je peux pas appeler un hélico, il y en a trop dans les airs. Lol. Si je l'essaye. Every cast deny. All available birds are already in flight. Ah là, il y en a un qui vient de se... Ouais, mais je sais... Bon, on sait pas où il va, c'est le mystère. Peut-être qu'il va aller en rue, mais... Non, mais on y va pas, mais... Pas.
Merci Basta pour le fait d'être un nouvel étudiant. Ils nous prennent ? Non. Toujours pas. Ah mais y a déjà 4 hélicos, visiblement c'est le max. Bon bah celui-là il est clairement pas pour nous. Oh la vache, tous les hélicos. C'est des taxis. Des tuk-tuk quoi. Pareil, celui-là juste pour lui hein. Dès qu'on est sorti de la map, c'est bon. Je vais demander le nôtre. Il arrive dans une minute. En avant. Donc, Little Bird écrasé au sud de la station service. Plus d'infos. Et l'autre, un cadavre dans un jardin de la mairie. Ouais. Où est la mairie? Je sais pas. J'imagine que la mairie n'est pas là où nous sommes déjà allés. Non. Est-ce que la mairie pourrait être le gros bâtiment rouge en 540-263? Alors cette découverte, bah très bien écoute pour le moment. Très sympa. Après faut avoir sur le long terme. J'ai un peu trop l'impression que malgré le fait que ce soit du PVP et de l'IA, en tant que tel à l'heure actuelle le jeu, ça va faire un peu comme Ground Branch, voire c'est le nôtre ça? Voir Ready or Not au final, le genre de jeu auquel il y a un mec qui vient avec nous là. Ah bon? C'est bon, je suis dedans. J'ai l'impression que ça va être le jeu un peu comme Ready or Not ou Ground Branch, quand bien même Ground Branch et Ready or Not ont pas du. Sur Ground Branch, il y a du PVP. Mais c'est pas vraiment le truc. J'ai l'impression que c'est le genre de jeu quand il va sortir pour la partie stream, la partie création de contenu, etc. Ça va durer 2 semaines max. Et puis après, c'est bon quoi. On aura fait le tour. Ça dépend de la taille de tout le contenu du jeu. Oui, mais ça dépend. Ce qui me fait peur, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité par rapport à la quantité. Ouais. Si tu trouves qu'il y a un intérêt ou pas, parce que si c'est un peu répétitif, aller chercher un truc, aller chercher un machin. Si au final, c'est une espèce de Far Cry avec un layer de réalisme par-dessus, bon, c'est vite relou en fait, quoi. Ouais, je vois très bien. Mais là, j'avoue, le côté open. Open world, c'est quand même bien cool. Hein. Le truc des Little Bird et que ce soit mode open world, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Ok. On peut directement aller au sud, donc sud de la station service, quelque part, il y aura un Little Bird écrasé. C'est toi qui cours là ? Ouais, c'est moi qui cours. Okay. Ok, vas-y. L'autre, il y avait juste un couteau. Ça, j'aimerais bien aussi que les premières missions soient des missions très très simples. Tu vois ? De récupération, de prise d'informations, etc. Et qu'au début, t'es qu'un pistolet, quoi. T'es un mercenaire, donc le principe du mercenaire, c'est la thune. Et il faudrait, du coup, dans cette logique de snowball, qu'au début, tu commences et que t'as un pistolet, quoi. Il faudrait des ennemis, alors, qui ont moins d'HP. Oui, bien sûr. Voire pas d'ennemis du tout, tu vois, mission de nuit... C'est marrant quand il... l'eau elle est profonde. Ouais. Et des jumelles. Ouais, ça va venir. Mais peut-être que là ils mettent pas les jumelles pour éviter que tu vois les glitchs ou les conneries quoi, peut-être. Mais c'est obligé, ils peuvent pas ne pas mettre de jumelles. T'as fini le jeu, t'as des jumelles thermiques, tu sais. Tu vois à travers les buissons. Non, j'en sais rien. Je suis n'importe quoi. Oui. La bêta là, c'est une semaine. Bon, on a loupé le premier jour, donc on a encore, on va dire, 5 jours et demi. 5 jours. C'est plutôt sympa. J'avoue. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis dans les coins reculés comme ça. Ouais. Ils m'ont ajouté des serpents après. Hop, tu te fais mordre, t'es empoisonné. Ah
Bah j'aimerais bien ce genre de truc là, un peu un rajouter un petit layer de green hell par dessus ça quoi. Pas forcément avec une grande redondance, tu vois, le truc qui peut arriver une chance sur mille, tu vois, mais ça crée un truc de ouf, quoi. Un serpent, t'es empoisonné, ou tu commences à être dizzy, tu vois. Moi, j'aime bien le côté coop, mais pour que ce soit coop jouissif, il faut que ce soit difficile pour moi. Si je trouve que c'est trop simple, alors c'est relou, en fait. À part si on se fait tuer en PVP, on dirait Battlefield 1942 dans la guerre du Vietnam. Ah oui, donc pas du tout 1942 quoi. Pas la bonne année quoi. 1942, guerre du Vietnam. Bah Philippines à la limite. 1942, les Américains en Philippines contre les Japonais. Après le Vietnam aussi, hein, mais c'était les Japonais qui tapaient l'Asie du Sud-Est. Hein. En tout cas, pour se balader, ce jeu est super. Ouais. Alors, tiens, bah, ça manque d'animaux, tiens, aussi, en parlant de ça. Parce que je pensais un peu à The Hunter, tu vois. Un Little Bird craché au sud de la station service. On est tout pile au sud de la station service. Est-ce que c'est plus au nord que là? Possiblement. Où est-ce qu'il est? Parce qu'au sud, 100 mètres au sud, 20 km au sud, c'est pas une chose. Ah, je le vois, dans le champ. C'est sérieux? Non. Attends, what? Non mais j'étais presque sûr de... Ah c'est mon cerveau, il invente des trucs. Le buisson il ressemblait vraiment. Oh. Là à gauche c'est quoi ça? Ah non c'est une résine. Little Bird écrasé au sud. Ok. Oh ben. Contact, non, c'est en ville, c'est en ville. C'est, ouais, c'est loin. C'est... Bon, on les entend bien de loin les tirs quand même. Normal, on parle. Oh, you discovered Charlie 3. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé Little World, 60 nord-est. Ok. Moi, ah, j'aime. Charlie 3. Ah, ça nous donne une nouvelle Zelda. Ok. Faut trouver les Zelda en allant à pied et après ça te les donne. Ah. Ouais, tu voles Little Bird, il faut ça non. T'as pris. Attends, okay, je vais poser la question, mais t'as pris un marqueur. Gaffe, contourne à droite. Ouais, j'ai un marqueur. Merde. Ah, t'as oublié. Non, ouais, je l'ai pas. Il le faut là Pas pour le Little Bird, mais pour le cadavre en ville. Merde. Mais ouais, à chaque fois je le prends, mais il est dans le stash en fait. Et j'ai pas repris des munes en plus, je suis un peu débile. Ah, oui, bon, d'accord. Bon, on est non, mais j'ai assez pour. Ouais, mais si tu veux pas faire la quête en ville, pourquoi y aller? Ouais, non, mais ça, on est d'accord. C'est bon, objectif complete. Bon, on appelle un hélico sur la nouvelle Zelda et on. En RTB. Vas-y. Ok. Ah. Non. Attends. Si. Ok, c'est bon. 2 minutes. Bien pris. Aussi, on peut appeler un hélico d'une Zelda sur la map pour aller à une autre Zelda sur la map. Ok, cool ça. Ah bon, là ça sert à rien parce que sont les trois qui sont à côté, mais quand on en découvre deux. Bon, ça aurait été une excursion assez courte. Ça tire dans la station sérieuse, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, je vois les hélicos des alliés là, ils vont déjà sur la base militaire qui est au sud. Yo tout le monde. 1 minute, hélicoptère. Donc ça veut dire que si on va aller sur la base militaire au sud, je vais aller taper la petite cabane là, pour voir s'il n'y a pas des trucs. Ouais, c'est sûr. D'abord qu'on y aille à pied, découvre les Zelda, et ensuite on peut aller à l'hélico. C'est pas le nôtre. L'hélico.
30 secondes. Oula, ça clique. La base militaire, elle a l'air juteuse. 15 secondes. Heureux. Royal. Oui, Yayo. Bah écoute, on peut aller récupérer. Hein. Bah carrément. Hein. Je relance le jeu. C'est 4. Ouais, j'arrive. Je prends pas la bombe. On met la place de derrière. S'il décolle maintenant. Mais ça marche comment en fait? C'est un timer. Tu le vois le timer? Non, il est invisible, c'est un timer invisible et je comprends pas. T'es sûr que c'est un timer ou il arrive à comprendre qu'il y a des mecs dans la squad qui sont l'un à côté de l'autre et... Bah je sais pas, parce que la première fois où t'étais parti chercher à bouffer, il est venu, il est resté, je veux dire, 20 secondes et il est reparti. Ok. 10 secondes, donc j'ai l'impression que le timer c'est à 10 secondes. Yayo qui est online. Yayo, pour nous choper, il faut que t'ailles dans le serveur, les serveurs en bas à droite, en bas à gauche. Et c'était le deuxième serveur, c'est celui qui est censé être le plus complet normalement. Je sais pas s'il est plein, j'espère pas. J'ai que deux serveurs qui apparaissent. T'as que deux serveurs? Ouais, pas trois. Trois? Il y en a trois, c'est normal. C'est le deuxième. J'en ai que deux qui apparaissent. T'en as trois là ou t'en as toujours que deux? J'en ai que deux. Attends. Est-ce que vous avez mon du serveur ou pas vous? Non, négatif, on n'a pas réussi à trouver ta... Celui du milieu, c'est ça? Normalement, c'est celui du milieu. Il y a combien de joueurs celui du milieu? Celui du milieu, 16 sur 16. Il y en a un à 0 sur 16 et l'autre 13 sur 16. 16 sur 16, c'est 16 sur 16, ça va. Bah, attends, refresh de temps en temps et attends que ce soit à 15 sur 16 et viens. Dès que tu peux. Faut que je prenne le tracker. Le tracker, c'est bon. 5,56. Je vais prendre 5. Oh non! Quoi? Bah une fois qu'on a trouvé le Little Bird écrasé, ça nous a donné un nouvel objectif. Ok. On va pas regarder les objectifs. Bah il faut trouver... nouvel objectif, c'était... trouver ce qui est arrivé au reste du crew, essayer d'inspecter les structures d'à côté. Structure, vas-y. Serveur, ouais, le serveur est full, bah je sais. Est-ce que nous on quitte et on va sur un serveur vide? Ah, y'en a un qui vient juste d'être créé là tout de suite, il y a une personne sur 16 dedans. Qu'est-ce que tu veux, Six? Je sais pas. Est-ce qu'on attend que ce serveur là il y a une place de nouveau pour Yayo ou est-ce qu'on quitte sur un serveur vide? Ah non, bah let's go, on quitte hein. Ouais. Ok, on quitte. Let's go. De toute façon, c'est pas grave, y'a pas d'amis. On fera plus de PVP quand même. Donc, serveur list. Faut juste l'attendre. Il y a d'autres joueurs, ouais, bien sûr. Avant. Là, tous les gens autour de nous, c'était des joueurs. On va sur le 1 sur 16. Attends, je vais l'ajouter. Il est où? Yayo, là. Ok, accepté. Bah après, il va pas avoir fait l'émission. Hein. Bah, c'est pas grave, je prends les vôtres. De toute façon, ouais. Est-ce que tu lances... lance par l'onglet du milieu sur le serveur. Enfin, au lieu de lancer par serveur, lance par l'onglet du milieu. Si tu lances par serveur, faut qu'on lance aussi de notre côté. Ok. Et toi, ready, et où squad, si tu l'es pas not full ready. Oh, excuse-moi. C'est bon. C'était moi qui t'ai pas ready. Ok. Alright. Ok. Est-ce que vous êtes good? Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Sinon, on reste sur nos tasks à nous.
Faut bah on retourne à la merci Z. Merci le tireur pour les 16 mois, t'es un monstre poulet. Merci les poulets, vous êtes vraiment des monstres. Toutes les personnes qui sub quand je suis pas sur du Rainbow Six, sachez que ça me touche énormément et forcément ça m'encourage à faire d'autres choses que du R6. Donc si vous avez, n'hésitez pas. Du coup tu m'as dit, excuse-moi poulet. Du coup, on retourne à la nouvelle Zeda, la ouais. Charlie 3. Ouais. On retourne au Little Bird, trouver ce qui s'est passé pour le reste du crew. T'as pris. Attends, j'ai pas fait le. Attends, apparel. Ah ouais, d'accord, le t-shirt. T'as pris un tracker. Effectivement, il y avait un t-shirt. Vendor. Oui, j'ai pris le t-shirt. In progress pour ça, le proof of identity, ça marche pas. Le tracker, le t-shirt, on n'est pas grave. Ouais, tracker c'est bon, je l'ai. Ok, donc on retourne au Little Bird écrasé, on cherche ce qui s'est passé pour le reste du crew, puis on va en ville et on essaie de trouver le... Mais pour Yayo du coup pour Yayo, je sais pas. Bah, c'est comme vous voulez, soit je reste avec vous et on fait tous les trucs de côté, soit on se split, je fais juste mes trucs et je vous rejoins juste après. Et sinon on fait tes tasks en même temps. On fait les tasks en même temps, mais en revanche fais pas de la merde à oublier un truc quoi, genre les trackers, les... Bah là je vais juste check deux trackers. Demolition ouais. Building. Ouais, c'est bon. Ouais. J'ai find and mark the cache in. Ok, donc ça c'est. Prends deux trackers. Et ouais, et j'ai deux trackers avec moi, c'est bon. Ah, surtout, hein, pas dans ton stash. Hein. Ouais, ouais, avec moi. Ouais. T'as fait de la task medic la première Medic, ouais, je l'ai fait tout à l'heure. C'est et donc t'as la nouvelle task medic Attends, je crois que je l'ai pas fait la demande. Non, elle est down. Attends. Mais bah, Lost and found. Mais les meds, est-ce que tu les as rendus? Ouais, je les ai rendus, ouais, j'ai eu le truc. Donc t'as une nouvelle task normalement. Bah en fait Ah oui, faut que j'accepte dans l'ordre, okay, j'accepte. Ouais, et du coup faut que je trouve Canoa. Nous on l'a trouvé, mais le jeu il a... Enfin le serveur il a crash. Et okay. La task est considérée comme faite, mais on peut pas la complete. Du coup, okay. Du coup on va peut-être y retourner en espérant que ça fonctionne. Bon allez, ok, Zeda. Apparemment il y a ma gueule sur TikTok quoi. Quoi pourquoi de chez qui? Attends. Hélicoptère 40 secondes. Ah merde, non, okay. Tu l'as appelé? Ouais, 40 secondes. Oh, pire, c'est pas grave, on attend le prochain. Non, bah non, faut attendre 5 minutes. Pardon. J'ai éternué. Hélicoptère 20 secondes. Ok. Putain, mais t'as pris quoi comme sac là? C'est toi ça? Non, c'est pas moi ça. Ah ouais, putain, la fâche. Merci Tripo, comment ça va mon poulet? Tu viens au SF Tripo d'ailleurs? C'est le nôtre, hein. Demande à Zerosk. Je suis dedans. Merci Tripo d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur scolarité pour Dastou, Bubus, Mathieu, Olivette à poil, lol, et Camille se font tous payer leur scolarité grâce à la putain de générosité de Tripo TV. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Tripo s'il vous plaît, le monstre. Merci mon poulet, ça va et toi? Contact Zerosk. Ah mais toi t'es même pas sub et t'as payé 5 subs à tout le monde toi. D'accord. Et demande à Zerosk, je sais pas si t'es sur la liste. En plus, on va vers chez toi, je crois. Dastopes est droit au campus. OSF, ouais. Merci, très pote, t'es un bon site. J'envoie-lui des GG et des cœurs. Et merci, Tripo, pour les 45 mois déjà que tu payes. T'es un bon site, mon poulet. Vous avez vu que vous pouvez free look avec la manette? Ouais, ouais, c'est ce que je fais tout le temps. Pour dire non aux gens. Ah, mais c'est exactement ETA, le cadavre de la maison qui est au-dessus de la station service. On l'a trouvé tout à l'heure. 5. On the ground. Go, go, go! Un 6. Hein? Je sais exactement ce qui s'est passé pour le reste du coup du Little Bird. C'est le cadavre de la hutte qui est à côté de la station service où on était tout à l'heure. Ouais. Bah, il y avait un cadavre là-bas, un cadavre de soldat. Ouais. Et c'est ça le reste du coup du Little Bird. Le Little Bird il est à droite, hein, tu vas au poulet. Mais le Little Bird on l'a déjà examiné, pas besoin d'y retourner. Mais c'est pas pour Yayo? Non, je l'ai pas encore. Mais Yayo il a pas la task. Ah, ok, d'accord. Je l'ai pas encore. Du coup, on fait quoi là? Gas station? Bon, on va chercher. Ouais, le cadavre ça du Little Bird. Devant. Enfin, le cadavre du mec du Little Bird, la gas station. Et puis on va en ville.
Il y avait 4 contacts tout à l'heure, à cet endroit-là. C'est des cadavres, mais ils sont peut-être vivants maintenant. Vas-y, hein, t'arrêtes pas. Ok, bien pris. Ça tire, ça tire. Hein. Non, ouais, ouais, y a pas mal de monde. Contact, ça arrive, ça se rapproche. Jette une grenade. Grenade envoyée. Grenade qui va partir pour moi. Merde, c'est une smoke. Nique ta mère, comme ça on verra à quoi elle ressemble. Grenade qui part. Attention, ça approche, ça pêche, on nous préparez-vous. Grenade qui part. Un qui push à droite, ouais. Il est mort là derrière. Ça c'est pas génial le truc des grenades, il va falloir que je le retravaille, mais c'était parfait de le faire pour tester justement. Ok, je commence à m'écarter vers la gauche. Je m'écarte sur la droite. Ok, bien pris. Je vois pas grand chose, sorry pour la smoke. J'avance légèrement. Non, ça c'est pas pour nous. Ok, similaire RS. Je m'approche du bâtiment. Ouais, si la grenade a fait le taf, hein, elle a tué 2 gars là. Ma première grenade, peut-être. Je peux rien faire avec le cadavre. Est-ce que ça nous a recommencé la tasse? Attention, dans le bâtiment? Dans le bâtiment, y'a du monde ou pas? C'est allié. Ok, dans le bâtiment, c'est allié. Allié. Bien pris. La porcherie en bas là, y'a rien. Non. Allez, je loot, chargeur. Nique ta race. Je peux rien faire avec le cadavre du GI. Mais qu'est-ce que t'avais envie de faire avec un cadavre de toute façon? Bah, la task du Little Bird, une fois qu'on a trouvé Little Bird, c'est marqué la où task. Est-ce qu'il est arrivé au reste du crew. Essayer d'inspecter des infrastructures. Où est le cadavre? Inspecter. C'est lui? Bah, j'imaginerais bien que ce soit lui. Un soldat dans une infrastructure à côté d'un Little Bird écrasé. Ça match quand même pas mal de cases. Bah le Little Bird écrasé il est loin hein. Bah il est juste au sud là. Il est pas loin. Bah il était là où on a spawn frérot. Bah ouais bah c'est pas loin, c'est le bâtiment c'est plus près. C'est à 200 mètres quoi. Ouais bah ça va. Ok. Non, je trouve que c'est loin. Bah je sais pas, j'ai pas regardé la task. C'est peut-être une hutte qui a un côté. T'as raison. De toute façon, c'est visiblement pas ça parce que ça. On peut rien en faire. Ok, ah, donc du coup. On devait chercher le pilote du Little Bird, c'est ça? Le pilote du Little Bird, on a trouvé. Il est dans le Little Bird. Il faut trouver ce qui passait du reste du crew du Little Bird à côté du Little Bird. Bah, sinon, après, on retourne au Little Bird. Et on va voir. Bah, je veux. Je sais pas. Non, je sais pas. Okay. Le mec, il a une veste en cuir. Et il y a plus de chances qu'il soit laotien que. Voilà quoi. Tu vois, avec une veste en cuir? Moi, je non, le vois non, en non, avec une ceinture en cuir. Un truc pas vraiment réglementaire quoi. Ouais. Je vois pas pourquoi. Bah retournons au Little Bird et ouais, on va aller dans à côté. J'ai chopé une clé KV doc. Nice. Oh let's go, t'as chopé une clé, mets-la dans ton... Ouais, fouiller, dans ton ouais je l'ai mis. Fouiller les gars au sol en vrai parce que... Bah c'est ce que comment j'ai fait. Comment tu appelles hein. La clé KV doc? KV doc. C'était lui là, le mec au milieu là, le jaune. Short okay, jaune. Ok, donc après c'est clé, vrai que je bon, regarde bah... pas dans les sacs parfois moi. Allons au Little Bird. Et voyons. Ok, bien pris. En avant. Tout fou. Je recolle. Ouais, je suis loin derrière, attendez. Fais gaffe, t'es tout seul, frérot, devant.
Le jeu est beau, ouais, le jeu est vraiment beau pour le coup. Je vais voir la première hutte. Le Little Bird est juste sur ma gauche. Il y a un autre bâtiment. Ah, il y a un autre bâtiment au nord, nord-est, pas loin du Little Bird. Ah, mais c'est un restaurant, c'est une pizzeria ça à droite là. À droite? Non, le truc en face de toi, là. C'est, ah, c'est pas Pizza Hut, hein. Pizza Hut. T'as niqué ma blague. Ah pardon. T'as niqué ma blague. Non, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Ouais, la blague a fonctionné. Ok. Bon, il y a un bâtiment vraiment proche du Little Bird au nord. Ok, bah c'est, vas-y, c'est ça, je pense, moi. Allons voir. Les mecs sont crachés, ils ont vu un bâtiment visuel dessus, ils se sont rapprochés, ils se sont fait enculer. Tu te fais tirer dessus, non? Non. Ok. Non, c'est en ville. Faudra que tu reviennes là, rappelle-toi de ça peut-être, okay. Yayou. Yayou, t'as débloqué la LZ de Charlie 3? Ouais. Attends, t'es bien devant, ouais, poulet, hein, t'es 20 mètres devant nous. On arrive, vas-y, tu peux y aller. Contact. Un down. Il y a du monde à gauche. Ça gueule, hein. Ouais. Devant le bâtiment, le long du bâtiment. Nice. Down. Je push, je push. Il y en a un autre. Ça gueule. De l'autre côté du bâtiment à gauche. Peut-être dedans le bâtiment aussi, hein. Ouais, peut-être. Pousse le bâtiment, je me mets collé au bâtiment. Vas-y, vas-y. Tu m'ouvres la porte. Ouvre la fenêtre, tu peux ou pas? Dans le bâtiment, c'est. Non, non, je peux pas. Je peux l'ouvrir que de l'intérieur à la fenêtre. Ok, décale, vas-y devant. Ah, je vois, c'est un qui dépasse. Ah, si, il est dans je le bâtiment. Sur la gauche. Ok, bien pris. Il a un pistolet dans le bâtiment. Vas-y, ouvre ta ligne. T'es comment, Yayo? C'est bien? Yayo, je te prends. Il est down. Ok, il bien pris. Down. Vas-y, je suis sur ton épaule gauche. Il est down, tué. Mort, mort. Vas-y, je prends ta face midi, Yayo, vas-y. Décale. Ça tire face midi, non? Face midi, ça tire. C'est pas nous, c'est pas nous. Ok, allez, allez, en face. Ok, on continue, les gars, on coiffe l'objectif. Chacun à l'intérieur, ouais. Et après, on fait la mini hutte là. Mini cabane. Pire à l'intérieur. Ok, bien pris, on fait la mini cabane de l'autre côté. Ça se complique, c'est l'équipe. C'est bon, c'est trop vite. Ça se complique. Ok, ici, là, du coup, je suis à la petite cabane. Y'a rien dedans, je peux pas l'ouvrir, c'est une poulailler, j'ai l'impression. Ok, y'a du monde sur la route. Ça se complique du coup? Ouais, à l'intérieur faut y aller. Tu vois, je t'avais dit, les mecs, ça c'était logique quoi. Y'a des sacs, hein, je sais pas si ouais, je suis en train de les checker. Moi maintenant je. Ah bah voilà, KV1 Lumb. Lumber. KV Lumber, donc du coup, le truc du Lumber Mill quoi. Ouais. Ah donc faut vraiment bien tous les fouiller. Et attends, task complete. Ah oui d'accord, ok. Oh là là, bien vu les clés sur les cadavres. Ah, une bouteille d'eau. J'avoue, attends, je vais regarder un petit peu comment je suis moi. Putain, j'ai rien perdu quasiment. Marrant ça. Hop là, ça c'est pour Worm. Yo Sarana. Je mets, comment ça va? Légèrement, je cherche le gars que je vais loot le gars que j'ai tué. Vas-y, vas-y. Je me prends de la flotte, je mange un peu. On est reparti. Ah, j'ai une clé. Oh, y'a un type KV 51 Lumber. Là. Ah bah on a la même clé Lumber. Ok. Bah Lumber, je me rappelle d'une porte qui était... Non, elle était ouverte, mais elle devait être ouverte par un joueur. Il doit avoir des clés, elles doivent être incroyables. Tu la veux, si vous la voulez, les vas-y, gars. Vas-y, vas-y, bah donne-la moi, si tu l'as déjà. Tiens, je suis à drop. Ah non, ça je l'ai pas, mais vas-y, tiens, prends-la. Elle est là en bas. Donc y'a KV Docks, y'a KV Lumber. Ouais. Donc Lumber on sait où c'est, Docks on sait pas. Je te l'ai drop, tu l'as ouais, pris. Ouais, je l'ai récupéré. Okay. Nickel, la station ouais. Service c'est juste face midi, donc pour Diego. Ok, bah let's go, on tape dessus. Allez.
Et quand, avant d'engager tout à l'heure, poulet, si on n'est pas repère, fais pas contact et tu tires quoi. Parce que là, ça les... Il y en a un sur la route, tu le vois. 60 mètres devant nous sur la route. Je sais pas si... Ah oui, je le vois. Azimut 300, oui, 280. Oui, oui. Okay. Vas-y, bah écoute, laisse-moi approcher à la limite avec Yayo. Yayo, t'as un ACOG ? Non, là j'ai Holo. Ok, bah viens, on approche tous les deux. Vas-y. S'il nous engage, tu l'encules lui. Et tu restes là, poulet, t'avances après, ok ? Ça marche, reçu. Viens, Yayo. Let's go, on tape à gauche, nous. Il bouge pas sur la route, toujours. Toujours stand-by. Vas-y, on essaie d'approcher directement sur le... Vas-y. Nicolas 05, 6 passé droit au campus. Yo, comment ça va? Tu le vois toujours? Toujours, stand-by. Vas-y, essaie de le traiter. Tu prends à gauche, Yayo? Vas-y. Y'a un mec qui pousse vers toi! Il est mort? Y'a un mec qui pousse vers toi, attends, c'est Ami ça? Ah, y'a un ami à ta droite. À tes 2 heures. Nice, y'a du monde à l'intérieur, sa gueule. Hein. Yayo, vas-y, fais ton ouverture là. Travaille tout seul de ce long là. Tu peux nous rejoindre, poulet. Ça tire à son. Ouais, sort. C'était moi qui tirais. Ok. Ouais, j'avais un contact en face de moi. Le long du bâtiment, t'es en train de toucher, poulet. Hein. Le mec qui est au milieu de la route. Ok, je rentre. Je suis à l'intérieur de l'enceinte. Il avance. Tu le touches, hein. Doucement sur le fait de rentrer. Hein. Je suis rentré, ouais, je rentre tout doucement. C'est moi, Torat. Ok. Ok, je vais faire le tour, du coup, tu peux nous rejoindre, poulet, si tu peux. Ouais. Les deux mecs sur la route morts. Qui me colle au cul? Moi sûrement. Vas-y, vas-y, fais main courante à gauche là. Vas-y, bah ouvre-toi ligne, chargeur. PRS, sur ma ligne. Vas-y, fais gaffe, Yayo était à gauche, parlez-vous les gars. Ouais, je le vois, je le vois. Que je pousse jusqu'au bâtiment porte centrale. J'ai cru entendre des cossons. Je suis au bâtiment. Sa gueule. Sa gueule, hein? Je crois. Vas-y, je rentre dans le bâtiment. Vas-y. À l'ouest. Je suis dans le bâtiment. Moi aussi. Ça vient de tirer. C'est Yayo qui s'est défoncé à la porte, je crois. Ouais. Pas voulu. Ok. Toi, il y en avait une. Il y a une autre. Baraque derrière. Nous. Ok, c'est clear. Fais gaffe derrière la citerne et tout là, je vois pas trop moi. Et je passe à droite, je vais sur la route directement. T'es clair ici. Je suis le long de la route sur votre droite. Hein. Ouais ouais, je vais y aller aussi. C'est là que j'ai entendu écho son. Ouais, moi aussi. J'arrive. Derrière l'autobus. Okay. T'es derrière l'autobus ? C'est moi en face de toi, fais gaffe. J'arrive au cul du bus. Pas au cul de la citerne, c'est moi. Je suis dedans. Ouais, ça a gueulé par là, il a dû se barrer, je sais pas. Fais gaffe à gauche du coup. Je continue tout droit au cas où c'est dans les bosquets là. Ouais, laisse tomber. T'as récupéré ton truc du coup toi, t'es bon Yayo ou quoi? Ouais, moi c'est bon là, pour la gas station c'est fait. Bien pris. Ok, donc l'umberrière là. Bah vas-y, Lumber, on la tape. Traverse la route, sur la butte. Tu dois tester X défiant. Ouais non, nique ta mère. X défiant. Mec, si j'aime déjà pas Call of Duty, je vais pas jouer à l'X défiant du pauvre. Merci Nicolas pour les 9 mois. Mais... Non, ça sert à rien. Après, peut-être que j'irai dessus, hein, je dis pas, hein, jamais dire jamais, mais bon. Pas trop ma cam quoi. Merci Nico, t'es un monstre. Bien.
Ok. Vas-y, je vous rejoins. Parfait, on continue comme ça. La Syrie, il y aura certainement du contact. Et on est sur le canal. CRS pour l'instant. Traverse le canal. Grimpez pas le mur syrien, on sait pas ce qu'il y a derrière. Bien pris. Il y a une ouverture dans la Syrie là de l'autre côté, j'ai l'impression. Attends, je vais essayer de checker. Contact à gauche, sa gueule. Bien pris. Contact sur moi, mort. Je suis au fond de la Syrie, les gars. Et sur l'objectif. Soit qui tire. Ouais, je sais pas. J'ai essayé de. Contact derrière toi, cookie cookie. Je vous rejoins. Où ça? Je sais pas où c'est. Au niveau t'as décalé, juste derrière le mur. J'arrive là. Avec vous, j'arrive avec vous. Je redécale sur la ligne. Voilà, je suis avec vous. Juste derrière, je l'ai abattu. Je suis derrière toi. Tu l'as eu? Oh ouais. Je prends le. Qui c'est clair? Je suis dans vos fesses. Oh. Ça parle en face. Face midi, écho son 11h. Ça tire? On n'a pas les mecs qui gueulent en même temps. Ça tire aussi bien. Au fond du lumber. Au fond du. Tout au fond du bâtiment. Un traité, il me semble. Chargeur. Oh, bah, il m'a mis un headshot. Non, fais gaffe. Notre pote est mort. Non, il m'a mis un headshot. Il m'a mis un instant headshot. J'ouvre. Ok. On a découvert sur la droite, mais c'est plus ça. Ouais, je sais. Attends, j'ai une stun si tu veux. C'est à l'intérieur là. Vas-y, balance ta stun. Ouais. Oh, je me suis fait tirer dessus. Où ça? Je sais pas. Derrière toi, non? Je suis touché. Rentre dedans. Ouais, rentre. Je sais pas si t'es derrière ou un ricochet, attends, je suis blessé. Laisse-moi te checker. Vas-y, je couvre la porte. T'as light bleeding, wounded et ouais, faut que tu te soignes, collet. Bandage. Je prends la porte. Putain, je... Oh, mon gilet il a pris, mais what? Oh, les HS à la 762, ça pardonne pas. Bah ouais, mais ouais, j'avoue. Alors ce nouveau jeu, c'est propre, c'est sympa. Il y a du potentiel. Fait, on va dire, je vais le dire comme ça, il y a du potentiel. Ok, c'est bon. T'es sûr que t'es bon? Un peu plus vite, par contre. Ouais, c'est bon, le corps il est. Tout est blanc et j'ai plus rien là. Ok, bien pris, j'ouvre la porte. Vas-y. C'est peut-être un ricochet, je suis mangé, mais. Chaud. Top. Il y en a un contact, je crois, à 11h. T'entends? Ouais, je l'entends. Écho son, j'ouvre ma ligne. Vas-y. Prends ta droite. Ok. Je vais ouvrir à gauche. Ouais, je crois que ça venait de sur la droite. Commande, Pussy. Sur la gauche. Ah, il était à droite, contact. Traité. Okay. L'autre, il m'a dit commande, Pussy, quoi. Attends, contrôle PAM deux secondes. C'est bon. En fait, il nous a ouvre à gauche, par hein. le bas, quoi. Vas-y. Derrière encore? C'est toi là ou bas, gauche? Non, c'est pas moi! Touché. Je l'ai eu. Ok, je me soigne. J'étais derrière toi, poulet. C'est bon. Et là j'ai... Juste, ouais, je suis juste essoufflé. Moi je te vois en organ injury et slight blood loss. Prends un painkiller. Merci grand bec pour les 1 an. Painkiller... J'ai un c'est le surkit, c'est ça? Non, Ibaline. Ah oui, ok. Tu l'as? Oui, pour le... Ouais, c'est bon, je suis en train d'apprendre.
T'es comment niveau mun? Mun, je suis bien. Ok. Ouais. Ok, je réouvre. Je souffle coupé. Fais gaffe à droite, c'était là qu'il y avait un écosson. Ouais. Et sur la route. Traité. Non, pas traité. Prends. Bah, rentre. Excuse-moi. Ah, t'es deux heures. Tu le vois ou pas? Non. Deux heures le long du... De l'autre côté. Okay, je le vois. De l'autre côté de la route. C'est bon, il est down. Il est tombé. Sure. Sur la gauche. Ok, je regarde à gauche. On approche. Je décale légèrement sur la route. Ok, non, il est down. Il est vraiment down. Confirmé. Reviens sur toi. T'as pris. Je suis bientôt sur vous. Ok, bien pris. 17 balles dans le chargeur. En revanche, je préfère tellement tirer en single, quoi. Le full auto, c'est tellement de la merde. À moins que le mec soit à 3 mètres, quoi, bon. J'arrive en courant sur vous. Je suis 800 qui sont derrière vous. Je contacte à vous. C'est toi? Ok, d'accord. Ouais, c'est moi, ça. Vas-y. On est dans le beurre, là où t'es mort, quasiment. Ok, je vois. Ok, je vais ouvrir dans le hangar, là. Vas-y, je décale à gauche. Fais gaffe à gauche, effectivement. Ok. Je rentre avec toi. C'est une tête là-bas. Je suis de nouveau opérationnel. Oh, par contre, franchement. Je lui ai mis au moins 10 balles au mec qui m'a tué, il m'a instanté. Dans le number, au fond, je vois rien. Je suis sur la hauteur, sur la mezzanine, on va appeler ça. Faut vraiment viser la tête. J'ai quelqu'un sur la droite. Faut vraiment mettre des têtes, ouais. Pourtant les gars, à la limite si les mecs ils avaient des trauma plates, tu vois, des vraiment, tu vois, genre une cirasse, un truc, plaque céramique, plus paca, bon bref, des ils PMC sont... quoi. Ouais. Mais les mecs ils sont en slip claquette quoi. ils ont but 3 Dr Pepper, les mecs c'est bon quoi. Allez, 5.56, elle passe dans leur bide, traverse et puis j'ai c'est chaud. Ok, bon, ça m'a l'air pas trop mal, mon poulet. Tu peux rentrer à l'intérieur de ton bâtiment, là, et faire ton taquette, à la limite, Yayo. T'es où, toi, derrière, colonel? Je suis dans le hangar principal, dans une petite pièce. Hangar principal, dans une petite pièce, pas très... Ouais. Je suis dans le grand hangar. Ok, bien pris. Attends, c'était où, déjà? C'est... Je crois que c'est une grenade, lol. Attends, c'était où je devais mettre le marqueur? Ah oui, ok, là. Ok, c'est bon. Marqueur mis. T'es comment sur hydratation, énergie, poulet? Moi, c'est bon, tout va bien. Sûr, hein? Ouais. Bah okay. Là, j'ai... En fait, je loot les gars, à chaque fois, j'ai un truc à graille, je le prends, quoi. Ok. Est-ce qu'on est bon, du coup? Il nous reste quoi à faire? Bah, en vrai, là, on a mis pas mal de gars au sol, genre, j'ai loot vite fait. Vas-y, t'as raison. Vas-y, carrément. Trucs. Ah mais oui, mais ils ont les chargeurs dans leur chest rig, je suis con en fait. Bon, et après, les chargeurs d'AK-47, ouais, ça va pas être ouf quand même. Bon, la clé, l'umber, elle est pas incroyable. Ouais, bah on s'y attendait. Hein. Première clé du jeu, qu'on trouve en double assez rapidement. Je vais aller sur la route du coup, là où il y a eu deux mecs down. Ça tire?
des teammates à côté. Bien pris. C'est un duo. On va dans le bâtiment en face pour le cadavre. Il avait une Scorpio lui carrément. Je vais dans le bâtiment en face. Première fois que je vois cette arme. On peut pas la... On peut la... Tu peux la l'équiper enfin, non mais tu, la... peux pas la... tu peux pas la fold pour qu'elle prenne moins de place. J'ai une deuxième... une autre clé. Super. KV... Unra. Unra. Ok bah c'est... Ouais. C'est en or. Je suis sur la route dehors. Hein. Je grave vite fait et je... J'ai trouvé la preuve Six. Côté du cadavre, il y a un... C'est quoi RT? Mais... Il y a un médaillon. Ah, c'est un retractable tourniquet. Donc c'est pas un combat de tourniquet. C'est pas plus... C'est plus je vais prendre la mune, bah les couilles. SKS. Ah, nos armements ont une endurance. Putain, j'ai eu du mal. Durabilité. Une durabilité, ouais. Là, c'est combien la même okay. Où est-ce que tu la vois? Là, tu fais clic droit dessus, inspecter et tu vois, durabilité. C'est PVP, PVE, les gars. Je la vois pas. Je vois pas ta durabilité. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi je me soigne là. Bah après go faire la suite là, faut juste que j'aille en reconnaissance la chercher. Attends, je dis ça. Ouais, venez sur moi. N'oubliez pas de loader vos chargeurs. Venez sur moi de l'autre côté de la route, au nord. Attends, je me soigne. Il y a le cadavre pour le tout. Ok, bien pris. De l'autre côté de la route au nord? Ouais, mais juste on l'a trouvé déjà, Six, le cadavre. Ah oui, oui, oui. Mais il y a un médaillon dans ses mains à prendre. C'est ça la preuve. Ah. Faut récupérer le médaillon. C'était donc ça le handover. Je t'avais dit qu'il fallait récupérer un truc lui donner. Handover, ça veut forcément dire qu'il y a un truc à lui donner. T'as une boisson d'énergie là, t'as ce qu'il faut toi poulet? Là, il y a une energy drink là qui est en train de... Moi c'est ce qu'il faut, moi c'est bon. Ok, bien joué. T'as récupéré le médaillon? Tu vas l'avoir? Oh, du litchi en plus. Oui, mais toi... Merci Baizou pour les 40 mois, t'es un monstre poulet. Hein. Le médaillon, il est dans ses mains, le cadavre. Ouais. Dans ses mains... Non, enfin par terre, entre ses mains. Ah oui, ok, je vois. Bon, je ok, donc il faut, pour Yayo, encore marquer un truc, il faut que tu trouves Demolition Building. Ah okay. Bah oui, parce que du coup ça a pas validé à la fin. Demolition Building c'est quoi déjà? Mais Demolition Building c'est là où il y avait le tractopelle. Oui, là où ils vendent. Non, c'était la merde. Si, c'est ça. Ah oui, Demolition Building. Là on est sur Construction Store quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais. Et nous faut qu'on trouve la mairie. Et faites gaffe, le marketplace qui est juste à notre droite, normalement il y a un boss dedans. Et il a une clé, il a une stache. Ok, très bien. Et après je dois trouver une cache. Donc là on tape quoi là? Moi c'est juste à côté là, le en 141-165. Ouais c'est le hangar du nord. Là on a crash avec Six. Bah c'est là où on devait récupérer le bâtiment mais on s'est fait engager, j'ai pas eu le temps de découvrir. Vas-y, on y va hein. Vas-y go. Vas-y. Bah on y va, on va là où il faut que si Yayo doit faire ce truc, on y va. À la clé pour la station Ra, est-ce qu'on essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur ou on s'en fout? Bah, au revoir, on est à côté, let's go. Ouais, ça me va. Tant qu'on reste pas 3 heures à rien faire, moi ça me va. Unra, c'est collé à nous à la gauche. Okay. Contact en face midi, plein nord-ouest. Ok, vu. Ouais, bisu. Il traverse. Ça, c'est pas cool. T'as déclenché les mecs à ta gauche. Contact en face. Gauche. Rentrez dedans, désengagé. Y'a du contact à 9h dans la direction de mon bras là. Partout, y'a du contact partout. Sorti, N'engage pas comme ça, colonel. Ah, désolé. Lui on dit contact, il tire tout seul quoi. Ok, ça me fiche. Trois ils sont sortis de la route. Je vais monter. Ouais. Attends, je monte aussi. Non, monte pas. La tête dépasse, il est à face midi, mais t'en as à 9h aussi. Ah ouais, c'est vrai. T'en as là, regarde, tu l'as vu? Ouais, je l'ai. Ok, bien vu. Le balle passe à travers.
Je vais essayer de monter par-dessus le parpaing. Ouais, c'est bon, il est tombé. Il y en a un juste, il y en a un autre contact encore 11h, poulet. Ça nous contente sur la gauche, les gars, faites gaffe le bac. Je vais prendre le bac. Je vais tuer le mec qui est à T9h encore. Hein. Vas-y. Sa gueule au market, à droite. Ah ouais, l'embuscade quoi, ils sont tous sortis d'un coup. Et ils sont partout dans la ville. Ça s'approche à gauche. Ok, mort. Un mort. Chargeur. J'avance le long de la paroi. Main courante à droite de ton côté, Yayo. De l'autre côté de la ouais, de ta paroi. Vas-y, attends, je te rejoins. Je remonte vers toi. Côté, ok. Vas-y, vas-y, ouais. Fais gaffe, le truc médical à gauche, on n'a pas l'info. Hein. Tu peux sauter par-dessus là si tu veux. T'es tout seul, colonel. Toi. Ah, je suis. J'arrive derrière toi. Ok, bien pris. Fais gaffe à gauche, les gars, please. Faites gaffe à 9h. Ah non, c'est j'ai rien dit à gauche. 9h, ça a gueulé. 9h, ça gueule, dans le truc médical. Ah, chargeur pour moi. Je check face midi, mais faut me prendre des faces 11h, face 9h là. Ok, j'arrive. T'es où? Et y a du monde qui est rentré dans la construction derrière nous. Ouais, de contact devant moi. À 11h. Ok, nickel. Traité. Okay. Je prends tes midi. Ça tire à droite? Oui. Non, c'est pas moi, je suis derrière vous. C'est rentré derrière nous, les gars. Dans médic. Non, dans construction, dans la construction, dans la construction, dans la construction. Ouais, visu dans la construction. Essaye de le tuer. Non, il bouge trop. Il y en a plusieurs dans la construction. Ouais, venez, on back, on va les taper, on va les retaper. Trop la merde. Un shot, il est pas mort, mec. Vraiment, il meurt trop difficilement. Vas-y. On voit ça là. On est avec toi. Ah putain, je suis stuck. Mais t'es où toi, colonel? Je suis à côté de médic, je suis derrière vous. Ok. Contact en face de moi. Ouais, vu. Mort. Traité. Un autre, juste là, contact à droite, devant nous. 4 mètres devant, je crois qu'il est mort. Ça pue sa mère. Je suis dans votre cul. Ok. J'ai pris une petite hauteur, à 3h, je sais pas ce qui se passe. Vas-y, tu peux avancer, c'est bien ce que j'avance tu fais, Yayo. Sur la gauche. Ouais, propre. À mes 3h peut-être. Quel gars que t'as eu, ouais, il est mort, je confirme. Non, c'est d'accord, c'est colonel. Le bâtiment construit là. Ok. Ok, c'est clair pour l'instant. T'es bien, Yayo. Ok, c'est nickel, tout est clair de côté gauche. Au nord-est. Okay, dans le petit bâtiment, juste en face de vous, là, c'est moi. Putain, j'ai pas de AGOG, je vois pas de loin. Ah, je vois un contact au fond. Pardon. C'est toi qui tire là. Ouais, j'en ai je tiens. Je tire pas moi. Ça gueule dans le market à droite. J'ai un KV doc en. Ça gueule beaucoup dans le market. En clé. Doc. KV doc. Allez. Ok, les docs, ouais. Ouais, non mais docteur, hein, pas DOCK. Hein. Ouais. Ah, docteur, ok. Ouais. Inspecté. Doctor's office in Q Vong Sa. Sa gueule proche, à droite. Côté market. Ok, 2 secondes. J'essaie de pas être. Ils sont derrière le muret. Putain, il me casse les couilles ce truc. Je les entends derrière le muret dans un buisson. J'arrive, je suis pas encore là, je récupère de la flotte, j'arrive. Bon, après, allons à ONU. On reviendra ici après, non? Ça arrive. Attends, j'ai quelque chose. Caché avec vous. Attendez, je recolle sur vous, je sais pas où vous êtes. Je suis dans la constru là où on ça a tiré, ça a gueulé la première la fois. Ouais, on est tout à droite. Sorti? Ouais, on est sorti. Ouais, on est à la sortie à droite. Ok, bien pris. Ouais. Dans les briques à la sortie. Bien pris, je vous recolle derrière. Je suis sur ta gauche, l'insix. Ça gueule à droite? Ouais, ça gueule à droite. Dans le market que ça gueule. Ouais, 2 secondes. Je... Contrôle PAM. Ouais, y'a un mec. Il arrive, hein. Un mort. Nice, t'es un monstre. Y'en a un autre.
Et il est rentré dans le market. Ok, je vais faire l'entrée. J'ouvre. Je check au-dessus de toi. Sa gueule, sa gueule. On peut pas ouvrir plus que ça. Les cossons. C'est un piège à con de rentrer là-dedans. Quelqu'un a des grenades ? Négatif. J'en ai. J'ai fumé, grenade à fragmentation et flash. Donc je vais faire une ouverture. Dans mon petit micro là. Une fois que tu es rentré, on est dedans. Ok, faut que je rentre, on push tout de suite à gauche. Ok, vas-y, je rentre. Vas-y, go. Ok, je suis passé. Je suis derrière toi, je te colle l'épaule. Okay. Je regarde à tes 11h à gauche. À tes 9h à gauche. Contact à droite. Ok. Mort. Je vais devoir aller devant le van à tes 11h, poulet. Je passe. Ah, négatif, négatif, négatif. Ils sont trois découverts au fond. Attends, Cookie, prend ma place. T'as un ACOG, vas-y. Un down. Chargeur. Pour moi. Ah, faut vraiment que je me mette en fumi. Ah oui, mais tu chargeur. Un traité au fond. Ok, le deuxième, je l'ai traité. Sa gueule dedans. Dans le market, hein. Dans le market, bien pris. Un niveau munitions, c'est cher pour moi. T'as pas pris des balles de rechange. Putain, la vache, moi aussi. Je pourrais vous en donner. T'as découvert là. Il me reste 3 chargeurs. Ok. Je passe market. Ok, bien pris. Vas-y, je te suis. Ok, j'y suis. Vas-y, je suis derrière toi, Yayo. Vas-y, je cours. Vas-y. Je traverse. La même. C'est bon, j'y suis. 3, 2, 1, top. Je suis derrière colonel, Yayo, t'es seul. Je suis derrière toi, Six. Ah, mais il y a des ouvertures en haut. Ça gueule à l'intérieur. La favela, le truc. Je prends ton face midi, colonel. Contact. Il push. Traité. Nickel. Fais gaffe, t'as pris une tête. De pilotage, prends. Vas-y, Cookie, prends le bac. Soigne-toi. Allié qui arrive sur le dernier. Ouais. Yeah, there are some enemies at the stairs. I mean, upstairs. Ok. Yeah, like two or three hostiles. Passe sur votre droite. Ouvre à gauche. C'est dégueulasse ici, venez, on fait main courante à gauche et on essaie de rentrer par un autre truc. Hein. Vas-y, je te suis. Je prends le bac. C'est un négatif. Ok, j'ai tiré dans une jambe qu'on voit sur le côté. Il a bougé. Sa gueule derrière ? Non, il y avait un mec au scorpion qui a couru. Ok. Sa gueule, ça tire dessus, poulet ? Ça tire sur notre pote ou toi ? C'est moi, rez-de-chaussée à gauche. Il me prend. Au scorpion. Ah, je me suis pris un ricochet. Mais... Il est là, il est à gauche. Hein. Yayo, vas-y, fais ma courante à droite au pire. Hein. Vas-y. On les laisse tous les deux. T'es avec ton pote, t'es avec le random, frérot. J'ai tué. Je suis le mec sur camp. Vas-y, continue. Je me dépêche là parce que ça pue ici. Ok, ouverture sur fais la gaffe, droite. Fais gaffe, normalement t'as. T'as côté sur la route Chargeur. J'ai, c'est bon, je tiens. Pas tombé. C'est bon. Non, il est pas tombé, frérot. Ah, putain. Il est pas tombé sur la route. C'est bon, il est tombé. Tombé, ok. Chargeur. En fait, faut retenir sa respiration tout le temps en fait quand tu tires, sinon les balles. J'ai que 9 balles. Vas-y. Mec, il fight comme ça. On rentre ? Ouais, je suis rentré. Ah, mais c'est pas toi qui rentre ? Non, c'est pas nous, c'est pas nous. Non, il y a deux groupes, il y a deux randoms en plus avec nous. Attention à l'étage, les gars.
Ça tire dehors, même endroit que tout à l'heure, j'ai l'impression. Ah, j'y vais pas, c'est l'autre. Il est reparti, l'autre débile. Non, c'est l'autre, c'est l'autre. Je suis rentré, c'est moi, Yayo. Je vais mon chargeur. On va un chargeur ennemi. Je monte. Pareil, dernier chargeur pour moi. Alright. Yeah, there is one at 3 o'clock. 20 meters. Dans l'axe du truc jaune, tu le vois là-bas, le carré jaune? Non. Le carré jaune, okay, le signal okay, jaune là. Ouais, le... Oh, ouais. Il y avait un mec là. En bas à gauche de ce truc là. Notre pote est blessé. Attends, il faut vraiment que je check les chargeurs. Vas-y. Non, mais après, Ouais, bah oui, toi aussi. Il est mort? Bah non, il part en courant et j'ai payé ça tiré, j'ai pas de... Ah, c'est bon, il réplique. Ok, je suis derrière toi, chargeur, okay, vas-y. T'as des chargeurs, toi, Yayo? J'en ai un de 10 balles en plus, si t'as besoin. Non, négatif, tu peux faire un... Je vais faire un bond vers l'avant, vers le truc bleu et blanc, là. Ok, on a passé à gauche. Le market est clear. Ok, bien pris. Je suis avec toi. Notre pote vient de mourir devant moi, ou il a tué quelqu'un. Je sais qu'elle sur la gauche. Ok, non, notre pote est en face de moi. Ok, bien pris. C'est lui qui vient de tomber, faire tomber un mec. Ouais. Ça tire derrière. On retourne dans le market, au pire on a... Contact. All good. Porte rouge. Bien vu. Je pense qu'il est pas traité. Il va peut-être contourner par la gauche à T11h, tu vois ouais, l'ouverture ouais, c'est ce que... Ouais, je la tiens. Je vais pusher contre le grillage pour aller le jouer lui. Vas-y. J'avance aussi sur l'ouverture. Un traité. Ok, Hudson, j'avance aussi. Je me fais jouer de la gauche, c'est toi qui te fais jouer de la gauche, hein. La gauche. Ça tire pas sur moi. À l'intérieur, hein. Viens, on y va. Go. C'est peut-être l'allié, hein, parce qu'il est passé par là. À gauche, rien. Ok. Droite clear. J'ai à droite. Ouais, je pense qu'il est reparti à l'extérieur. Laisse tomber, frérot. Laisse tomber. Ça donne quoi, colonel? T'en es où, toi? Je suis dans le market là, je suis en train de le cuire. Ok, bien pris. Je pense que c'est le nôtre là qui tire. Oui, c'est sûr. Qui tire n'importe où. Oh, j'ai envie d'aller looter là. Hein. En vrai, bah, tu peux aller looter ce gars là, je te couvre. Hein. Vas-y. Oula. C'est dans le supermarché. Ok. T'es où toi? J'ai avancé un peu à droite là. Je suis un peu... Le mec était pris au piège tout à l'heure. Ok. Ok, je suis avec toi. Je loot. Ouais, y'a pas grand chose. Hein. Let's go, je recolle sur toi. C'est toi ça? Vas-y. Ouais, c'est moi. Vas-y, on décroche, on va au market. Du coup, faut que j'aille dans un bâtiment. Je l'ai pas encore fait. J'essaie de chercher pour une clé de la stash market, mais j'arrive pas à trouver. La clé quoi? La clé pour la stage du market en haut, pour les portes, mais pas de clé, pas de problème. Y'a pas le mec au béret rouge. Merde.
Peut-être qu'il s'est barré, hein, ou il a déjà été... Je sais pas, peut-être qu'il apparaît pas tout le temps. Béret Rouge, ce serait le chef. Ouais, ce serait le chef, Béret Rouge, nid d'aviateur. Plus dans la rue, à côté du market. Qui... Hein. Est-ce que tu te rappelles le bâtiment qu'il fallait valider, tu sais, le bâtiment rouge et noir, c'est quel? Pour quel cas? Voilà. Si vous avez plus beaucoup de moon, prenez une AK. Hein. Prenez les AK, là. Là, il y en a, donc... C'est bien joué ou quoi? Allez, salut tout le monde, c'est Skyros. Aujourd'hui, on va jouer à Grayzone. Ok, je reviens à Market, avec vous. Rentrez. Il va y jouer ou pas? Oui, c'est moi. Trouver une clé, mais c'est pour autre chose. C'est... Attic Storage Space of a Restaurant. L'attique d'un restaurant. Bah c'est exactement là où on est. Hein. Ah non, attends, bah c'est là, non? Attends, je vais voir si ça fonctionne pour les portes d'en haut, mais ça m'étonnerait. Que c'est pas un attique ça. Ah non, attends, c'était non. Comment qu'il fallait faire? Non, c'est pas ça. Bah le restaurant serait pas le truc en face où on était tout au début. Ah mais non, il faut faire ça, ça. Les AK, il y en a partout, hein. Faites-vous plaisir. Ouais, c'est ce que j'essaie de récupérer, mais j'essaie de récupérer les chargeurs, là. 100, 100. J'ai moins de chargeurs. C'est ça le restaurant? Non, c'est pas ça, il n'y a pas d'optique. Yo, Evan! Mettez-vous bien niveau bouffe, profitez-en, il y en a plein. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je viens de bouffer comme un gros sac. C'est sur le cas maintenant. Non, il est en train de parler à Skyros. Combats, mais hormis que les ennemis soient beaucoup trop résistants, sont quand même vachement sympas. Oula! C'est station service, c'est un allié qui tient. Bah, c'est casse-couille ça en revanche là. Trop de flotte là. Allez, ça ira. On fait quoi les amis? Bah on attend Yu. Ah mais ça... Qu'est-ce qu'il y a une AK avec un ACOG et tout là? C'est moi. Pas... C'est toi? Tu l'as chopé où? L'ACOG, c'est l'ACOG de mon arme, je l'ai mis sur la carte. Et tu l'as chopé où cette ACOG là? L'ACOG, je l'ai acheté à la base, c'est l'ACOG de ma M4. Là, je sens qu'il y a eu un truc du genre, ouais, franchement, le jeu il est trop fort et tout, tu devrais jouer Skyros, vraiment, ça va vraiment te plaire et tout. Là, tu peux. Non, il n'y a pas eu un truc comme ça? Avant déjà. À d'essayer de lui vendre à mort en mode, oh, tu devrais trop y jouer et tout, franchement, c'est trop cool. Trop bien. Ah, je pense que let's go ONU pour la stage. Peut-être dans la semaine il va tester, je sais pas. Ok. Let's go stage ONU, ensuite on va pour la quête de Yayo. Ouais, voilà juste ça, la quête. Unlock. Après, il y a un truc qui s'appelle. Là on sait que c'est Maro FC. Il y a le nom des d'or en fait. Quand t'as trouvé une clé ? Non, mais là j'ai le nom de la d'or qui s'appelle Maro FC. Ah, ok. Et là la clé s'appelle MARST MARST ETR. Si tu regardes dessus au final, tu peux unlock et t'as le nom de la machine en fait.
Donc le Mars est là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça s'ouvre pas. Et l'autre porte, c'est tout. Ah, il est là. Il doit y avoir des dingueries là-dedans. Ouais, je sais pas. Franchement, c'est un market. Hein. Comme c'est un market. Vous avez du tofu là, les gars, si vous voulez. Ouais, non, merci. Ouais, vas-y, bah, je vais manger vite fait. C'est vrai qu'il y a intoxication et radiation après à gérer pour plus tard, ça c'est. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ok, bah pour moi c'est bon, il y a juste à aller check la truc d'à côté. Au nu, allez. Bah, c'est parti. Attends. Je vous attends à la c'est par là où nous sommes rentrés. Je vous attends à la porte. Bien pris. Vas-y. Par qui nous sommes venus. Normalement, ils sont tous morts. Vous êtes. Checkez les munes, remplissez les mags. Moi, c'est mon dernier chargeur. Bon. Dernier chargeur, mais prends une AK, frérot. Ah, mais j'ai une AK avec, en backup, ouais. Ouais, mais prends 3-4 chargeurs avec, hein. Il y en a qui traînent. J'ai une AK, 3 chargeurs, plus 60 balles de rechange. Ok, à la porte d'entrée du coup, ouais, let's go. Je suis devant vous. Du coup on fait quoi là? On va au nu voir la stache et puis on va faire les quêtes de Yeo. Bah, attends, non, parce que moi c'est juste à côté mon truc. Non mais attends, mais on va d'abord au nu, ensuite on va faire ta quête. Au nu c'est le c'est juste à côté et c'est en face là. C'est toi la Yeo qui a la clé de au nu. Putain ça tire à mort là. J'ai que Doc et. Ah la vache! Un Laura. Ouais, mais c'est ça. Let's go, mec. Vas-y, go. Ah, c'est vrai que ça tire. Je sais pas où est la porte. Vénère un peu, non? Allez, Yayo, on prend la porte. Ah, je suis un fou, moi je rentre comme si c'était pas clear, attends. Ici, clair. Ça m'étonnerait que ce soit dehors là. Ça va être ici. Ah ouais, bah non, c'est pas les mêmes AK en fait. Ça va être ça, non? Ouais, c'est ça. La clé est ici. Allez, viens, passe partout. Oui, tu passes partout. Passe partout. Ok, j'ouvre. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Ça se trouve, c'est pour une quête en vrai. Une caisse bleue. Ah, ouais. Bah y'a rien dedans. Ah, oh si. Ah, il faut attendre, ça prend le temps pour le tout. Ouais, y'a un jet pare-balles bleu et un casque bleu. C'est tout? Ouais. Bon après si t'as pour du gilet de casque, pourquoi pas quoi. En vrai je prends le casque bleu comme ça vous me voyez parce que... On se reconnaît avec. Bon, en revanche tu peux jamais être trop déshydraté ici, hein. Y'a vraiment beaucoup de... Ouais, mais tant mieux. Ouais, j'avoue, c'est pas en mode. J'avais juste ça, ok. Ok, bon bah moi j'ai l'AK à Cog et lui il a un casque bleu. Hein. Yo. Ah, t'as chopé une AK avec la Cog? Non, c'est la Cog de mon arme que j'ai mis sur la Cog. Ok, donc du coup on fait quoi les amis? Bah, du coup, tiens, si tu veux, t'as un gilet là. Mais où? Quoi? C'est un gilet au nu, mais je sais pas si. Oh non, mais c'est mort, attends, moi j'ai mes plats et l'autre. Vas-y. Let's go. T'as ouvert ça en fait? Ouais, j'ai ouvert cette porte. Ah ouais. Et du coup la clé, par contre la clé je la garde. Ah mais il y a un TC2000 là. Ouais oui c'est le mien, je l'ai changé, il était bleu. Il a pris casque bleu lui. Mais attends, du coup ça donne quoi le truc Unra? C'est une protection 3A. Et ça forcément, mais là c'est une plaque de céramique. Donc déjà t'as pas d'emport là dessus, t'es obligé de rajouter un chest rig par dessus. En vrai. Ouais. Ouais mais du coup tu peux avoir un chest rig qui peut être plus gros peut-être. Et là c'est 3A. Oui c'est sûr. On peut surtout te repérer. Si je fais ça. Sauf si on prend tous des. Ouais, du coup, il le met en machin et derrière, il faut un chest rig, quoi. Bon, ouais, ça... donc si tu trouves un chest rig assez gros, ça peut être pas mal. Non, mais là, le problème, c'est que tant que je l'ai pas, du coup, bah, je peux rien équiper, quoi. Puisque, chest rig, hein, sur les cadavres, mais c'est des petits. Ouais, c'est un peu de la merde, quand même. Oh merde, bref. Je suis un peu auto-niqué, là, j'ai l'impression. Ah. Ça fait quoi? J'ai fait que dans le Tetris ça va pas le faire. Ah bah attends, si je fais drop au pire on s'en bat les couilles. Allez, let's go, on s'arrache. En avant. Allez, supermarket pour toi Yayo. En gros moi c'est... Attends je te dis... Attends, faut que je sorte de l'avant. Allez let's go, qu'on fasse des quêtes un peu plus sexy là. C'est relou, là faut que je...
faut que je fouille le. Arrête d'appuyer sur le T là. Pourquoi tu nous parles? Qui, moi? Ah merde. Ouais. What? Ça a activé le VOIP pour moi. Là tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ok. Merde, ça misclick. Yo Miruti, salut tout le monde. Le Demolisher Building. En 141, 165. Ah oui. C'est le oui, bâtiment oui, rouge. C'est censé. Ok, c'est celui-là que je dois aller. Et il faut que tu. T'as encore. Un et truc après, pour j'ai. Marquer la stache. Ouais. Ok, bah let's go. Et nous, pour nous, faut qu'on trouve le. Il faut que je. Attends. La mairie. Find proof identity and report back. Oui, mais ça, c'est bon, t'as récupéré le. Find vraiment. Find. Vraiment. Find. Find, quoi. Il y a vraiment zéro effort, quoi. Vous êtes où? Vous êtes où? Fais gaffe à la, ouais, l'ouverture à droite. On fait main courante à gauche là. T'es avec nous ou pas? Attends, deux secondes, colonel, tu vas un peu vite, mec. Tu meurs tout le temps en plus. Je vous ai perdu. C'est vous là en plein milieu? En plein. Oui, c'est nous. Plein milieu de la route là? T'as casque bleu non, là? On est à gauche de la route, on n'est pas au milieu. Ouais, ouais, moi j'ai casque bleu. Casque bleu. Eh bah, c'est nous à gauche. Là à gauche. Waouh! Bah. Yayo? Bah, il est disparu. Ah bah j'ai une déco. Okay. Ah mais d'accord. C'est pour ça que vous voyez courir dans la salle. Ah oui, ouais, on pourrait courir comme un débile. Là, j'aurais débile. Bon bah nous du coup on fait quoi? Ouais, je sais pas. Parce que c'était là pour... on était là pour Yayo. Attendez. Je sais on se voit. Sûr s'il se recoue, il va se recouer à la base. T'es sûr? Au pire allez-y, j'irai check le truc moi-même directement. Pire, on va Charlie 2. Bah, vas-y, on fait l'autre truc dans ce cas-là. Bah, hôtel de ville, contrôle l'hôtel de ville pour trouver le cadavre. Et tu sais où il est ou pas l'hôtel de ville? Aucune idée. Il est dans la ville, mais. On se balade, c'est pas le grand étage, 3 étages là? Je vais dans le market en face, vas-y. Pour mettre à couvert. Ah, du coup, je suis pas dans le. Il y a un cadavre à marquer. Dans un des jardins de l'hôtel de ville. C'est tout ce que je sais. Oh, ça va être joli un hôtel de ville quand même. Laisse-moi checker la map, je vais regarder. Voir si on voit pas un truc un peu. Il dit pas de quelle ville, mais bon, j'imagine que c'est forcément la première, pense. Bah déjà ça doit plutôt être au centre du truc quand même. Ouais, pour moi il y a un truc qui ressort, ce serait la case 142, 163. Le blanc rouge. Ou blanc ou rouge à côté quoi. Le rouge ouais, 142, 163. Je me suis recodé à vous. Ah bah ouais, il est là, let's go, il est où, il est revenu. Bah écoute, on va faire... disparu, donc on va faire construction du coup. Bah du coup on va faire d'abord warehouse, vu que pour Yayo il le faut, c'est juste à côté. Ensuite construction, hôtel de ville, on se casse. Ok, bien pris. C'est bon. Ok, je vous rejoins. On est dans le shop, poulet. On sort à gauche. Dans le store. C'est bon. T'es avec nous? Ah ouais. Je suis sorti sur la gauche. Je vous attends derrière les parpaings. Je tape à gauche, vas-y. Fais ma courante à gauche, là, le long du truc. Le long du mur, parce que c'est un peu de la merde, là, là où on est. Derrière, je vois rien. Ah, c'est tiré derrière nous. Bon, je suis bien sûr que c'est des ennemis qui meurent. Vas-y, hein, on continue. Faire gaffe depuis le camion de tout à l'heure. Hein. Ouais, le waypoint sur la route. Je fais main courante à droite, à gauche, les gars, vous êtes que deux. Je le fais par l'autre côté, ok? Pas de friendly fire. Ok, Yayo, il faut que tu ailles à droite, il y a une pièce. Ouais. À droite, là, il y a une petite pièce, un petit cabanon, faut que tu... c'est là-dedans, faut que tu plantes. Ok. Je suis. Je suis au bout, les amis, je contourne tout, ok? Contact deux maisons nord-ouest, comme tout à l'heure. Ok, bien pris, je les vois. Je suis au bout de l'arête devant, vous faites gaffe, c'est moi qui arrive. Quand t'as marqué, Yayo, on retourne de là où on vient. C'est marqué, ok, let's go. J'arrive, attends, j'ouvre la porte en face de vous, faites gaffe, c'est moi qui ouvre. Bacon. On repart. Ouais, go back. Tu veux pas les traiter les autres là-bas là? Quoi faire? Pour les ça traiter. Ça donne pas d'XP. Ah bon? Ouais, bah ça donne pas d'XP de les tuer. Ah bon, d'accord. On back? Ouais, on back. Vas-y. On retourne dans la zone clear.
suis derrière vous. Ok. Puis en plus, en centre-ville, on devrait trouver l'hôtel de ville plus facilement. C'est une SMG, ça. Je sais pas si l'hôtel de ville, c'est le grand chantier, ça m'étonnerait quand même. Un hôtel de ville, normalement, il devrait déjà être fini. Mm-hmm. Le truc rouge, c'est le truc qui est en face de nous, hein. Ouais. Dans l'axe de la route. Et bah, c'est peut-être ça. Ouais, il y a un drapeau en plus. Bien vu. Un drapeau dans le bâtiment. Ok, je suis arrivé au pont. C'est une petite SMG ça. Ouais. Scorpio. On se prend des dégâts avec les barbelés? Je sais pas, mais non. J'ai pas envie d'essayer. Je suis passé sans rien. On saute dans la flotte, on regarde à gauche. Traverse. Gauche clear. Droite clear. Ok. Ouais, c'est clairement ça l'hôtel de ville. Ouais, je pense, hein. Ou un temple. Construction site. L'ouverture à droite, elle me fait peur. Ok, ok. Eh, hey, Yayo, t'as un ACOG? Non. Yolo. Eh, monte à la limite dans les bâtiments. Viens, on prend le bâtiment, on prend l'étage. Ouais, hein. Ok, vas-y. Ok, faisons un truc propre. Dans le bâtiment, je crois. Non, 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 ça tire plus au nord. Les tirs, on les entend de très très loin, Yayo. Ah, bah non. On peut pas monter? L'escalier est bouché. Ok, bah let's go. On contourne quand même main courante à droite, là, du bâtiment. Et de la route au final, mais sans longer la route parce que c'est vraiment trop horrible quoi. Autant passer de là, c'est parfait. Je préfère ce genre de... Ouh, il y a une grosse ouverture. Il y a pas... des cadavres. Non mais là il y a rien. Ah là. Mais c'est market, c'est market. Oui mais là il y a rien, là. Ça c'est pas une grosse ouverture. Oui. Fais main courante à droite le long de ça là, c'est parfait. Ça gueule. C'est juste derrière le bâtiment à gauche là. Vas-y je rejoins. Ouais. Non, en direction de la mairie ça gueule. Sur la fenêtre. Je prends en face. Vas-y, je fais le bouchon arrière. Vas-y, je traverse. Sans être tout de suite à 6-4. Ouais, je colle. Je rentre dans le bâtiment. Ah, je suis derrière toi. Ce sont des fenêtres. On ouvre. Vas-y. Ok. Je reste dehors, moi. Ok, je rentre. Derrière toi. Première classe. Clear, deuxième, clear. Porte du fond. Fais gaffe, c'est là-bas que ça gueulait, okay. Hein. De l'autre côté, derrière la tôle. Ferme. Ok. Hop. Bah, là, c'est au niveau du chantier, du coup. Là, j'ai mal le tofu. Ok, on arrive vers toi, colonel. On est dans tes fesses, tu peux commencer à ouvrir si tu veux. Ah là, c'est très à découvert. Ouais, c'est un peu de la merde. J'ai envie d'aller de l'autre côté. Vas-y, t'inquiète, je fais face 2 heures là, vas-y. Ok. J'ai un petit bâtiment, jour. Attends une seconde, on est obligé de te rejoindre là, tu vas un tout petit peu tout seul là, c'est un peu relou. Vas-y let's go, fais un bond de l'autre côté de la route Yayo. Vas-y. Go. Couvre-moi s'il te plaît, j'arrive. Ouais. Ok, vas-y je commence à avancer. C'est un garage le premier. On va regarder au fond déjà là. J'ouvre l'arrière. Tranquille, là si t'as un ACOG tu peux venir prendre le... J'arrive. Ouais, tu peux bien regarder ce qui se passe au niveau du de l'étage du de la maison et nous on va ouvrir la porte à droite Yayo. Ok. Vas-y. Tu peux me l'ouvrir maintenant. Vas-y, je te l'ouvre. Go. Maintenant. Clear. Je Vas-y, rentre passe. Et je regarde à droite. 3, 2, 1, top. Les vitres sont très opaques. Je vais vous dire. Je rentre avec vous. Ouais, rentre avec nous. Ouvre là où je suis là. Ouvre à droite, regarde à gauche. Va falloir faire un bond, on n'a pas de la smoke là, de merde. J'en ai. Vas-y, bah balance-en une en plein milieu de la route là. Oh la vue. Ouais, voilà. Contact à droite. C'est moi qui viens de tirer. Contact à droite, ok.
J'envoie la smoke. Il est passif. Vas-y. Il est passif, je tire pas. Comment ça l'envoie? Ouais bah ouais, attends mais doucement. Putain la vache. Je l'ai envoyé par... Oh, putain, incroyable. On dirait, allez, on dirait qu'elle a pété la statue. Elle a pété dans les cartoons. Ouais, je confonds le chien, t'as pas le droit de passif. Hein. Ok. On fait quoi? On fait... Ouais, je le vois passif aussi à droite. On essaie d'avancer, on fait un bond. Je vous couvre, avancez. Je vais essayer d'aller jusqu'à la voiture de gauche déjà. Je passe devant toi. J'avance le long de la voiture. Je vais faire un bond de l'autre côté. Jusqu'à la maison à 11h. Petite maison à 11h. J'y vais. J'y suis. Okay. On est bien au town hall, c'est bon. Tu rejoins. J'ouvre à gauche. Je vous attends. Ok, je suis passé, tu peux y aller. Regarde à droite, Yayo. Regarde le town hall. Ah, il est beau, ce town hall. Et on va dérouler à gauche là. Vas-y, passe devant. Vas-y, je passe. Il y a une porte ouverte à gauche. Vas-y, on s'en fout. Non, il y a colonel, viens avec nous. Ok, fenêtre inter-clear. Deuxième porte sur ma droite, je peux rentrer dans le bâtiment. Tranquille, pas besoin pour le moment. Continue ton mouvement, main courante à droite, je prends la porte. C'est clair ici. Ok, c'est clair. Okay. On peut travailler dans le bâtiment. Vas-y. Bah vas-y. Check, tu peux ouvrir quand tu veux, poulet. En avant, tu peux rentrer dedans. Et je regarde à gauche quand tu rentres. Let's go. RS. Nickel, j'ai la porte. RS, plate RS, bureau RS. Yayo, tu te mets à gauche de la porte, tu m'ouvres pour moi. Ouais, vas-y, t'es prêt. 3, 2, 1, go. Vas-y, 3, 2, 1, go. Clear sur un mini bureau. Y'a rien dedans. Négatif, rien. Ok, donc on est bien au town hall en revanche. Maintenant il y a un cadavre dans un jardin. Un marqué. Ok, bah ça doit être devant. Il y a un cadavre juste au pied de la statue. Hein. Mais à mon avis, jardin. Faut clear le town hall quand même. Hein. On va pas rentrer dedans tant qu'on n'a pas clear la mairie, ok? On clear la mairie avant. Vas-y, moi je suis prêt. Vas-y, let's go, tu nous rejoins, colonel? On est contre la mairie. Je traverse. Je check ce qu'il y a derrière. On va pouvoir rentrer là. Enfin, je sais pas si on peut rentrer. Hein. D'abord, je fais le tour. Fais gaffe, ouverture à droite, mais elle est. Enfin, c'est fermé. C'est parce que je pensais. Check la porte. Ici, c'est clear. Ici, c'est clear. On rentre à l'intérieur, derrière. Yeah. Si on peut. Faut fouiller. Non, on peut pas. C'est verrouillé. Bon, c'est parfait. Déjà, on a vu ce que ça donnait. Jardin, du coup. Pas vraiment l'impression qu'il y a des jardins par ici. Bah, y a le mec en face de toi qui est à terre. Hein? Où? Ah oui, d'accord. Là. Ça, c'est un jardin. Je regarde à gauche, là-haut. Un long du muret. Derrière le muret, rien. Non, il a rien fait, lui. Ouais, non, c'est juste un. Non, c'est un. Il s'est fait descendre. Ouais. Vas-y. Ouais, c'est. Il y a une déco, je pense. Ouais. Du coup, quand t'as une déco de ton là, corps, il y a le mec qui est en plein milieu, tu l'as vu, là. Ouais. Il y a toujours les trous du cul à gauche, mais on va pas y aller. Ok, vas-y, on peut commencer à regarder un peu là. Jardin, du coup, c'est peut-être la statue. Y'a un mec qui traverse la route. Ok, c'est plein quoi nord-ouest. Ça je. La route j'ai... Plein nord-ouest. Bah, j'ai pas de. Ouais. J'ai pas de. Plein. Je vois pas. Viens de traverser. La route à notre droite, plein nord-ouest. Ok, parce que nord-ouest, y'a deux mecs. Hein. Y'a. C'est peut-être. Y'a deux mecs. Derrière le site de construction, il y a deux mecs. Non, c'est pas eux. Je viens de voir sur la map, non, c'est pas eux. Ok, bah deux gars qui se rapprochent sur nous, là. Avec son nord-ouest, on doit faire gaffe.
Direction nord-ouest, on va faire gaffe. Bien pris. Vas-y, je te couvre. Je sais pas ce que ça donne, ça. Là, je prends juste des chargeurs au sol, mais c'est pas ça. Il y avait un mec devant. La mairie, on va l'ouvrir, c'est ça ? Bah, je pense pas, non. Ah, non. Ok, vu nord-ouest, ça a l'air passif sur la route. À 60 mètres, 70 mètres. Ça a rien de l'engager pour le moment. Ouais, ça a rien. Mais je sais pas, du coup, Town Hall, on est bien au bon endroit en tout cas. Bah, du coup, le truc, c'est que vu que j'ai pas la raquette, j'essaie de rentrer. Je pourrais pas aider pour le coup. Bah, j'espère que je l'ai, moi. Attends, je rentre dans le bâtiment dans lequel on était tout à l'heure, là. Histoire de checker un peu. Je suis dans le mini-bureau. Attends, task. Compléter, ça c'est bon. Mark the location of the body. According to this squad, Matt, the soldier in question was last seen getting gunned down in the backyard. In the backyards around the town hall. I need you to charge the area carefully, follow any sign and mark the precise location with a GPS tracker. Donc déjà, visiblement, je sais pas si c'est le mec, mais ça a l'air d'être plutôt un gros black avec une grosse beubare. Ok. Et donc c'est un mec de chez nous, déjà. Donc AK-47, tout ça, on oublie. Et visiblement, il parle de backyard. Donc, backyard, et pas de front yard. Bah, le backyard, c'est le jardin, mais vraiment avec une notion de c'est derrière, quoi. Ça tirait bien à gauche. Si hein. Ouais, ouais. C'est proche. Ça se trouve, c'est en hauteur au final. Ça se trouve, le jardin, il est plus. Je vais essayer d'aller voir en haut, là, poulet. Vas-y. Je sais pas si je vais pouvoir monter là. Ça a l'air un peu. Ça a l'air de puer du cul. Non, si, c'est bon. Je suis pas super serein ici. Ouais, ça tire. Hein. Non, mais c'est bien une route ici, donc. Après, est-ce que c'est le bon bâtiment ? Bah, c'est Town Hall. C'est Town Hall. The backyard around the town hall, donc autour du. Ouais, j'ai du contact en face de moi là. T'es où toi, poulet? Là, je suis au niveau. Je suis vers les tirs, moi. Ok, je vois où ça tire à droite. Là, il y a des mecs à découvrir. J'étais vers les tirs, moi. N'engage pas. C'est toi ça? Ok, qu'est-ce ouais, que bleu? Vrai. Ok. Ok, oh. Ah bah je suis sans loot. Sans merde. Stuff. T'as respawn derrière nous là? Non, bah je me vois sans stuff dans le menu. Vas-y, je vais partir du principe ouais, que j'ai fait ce côté là. Et mon cadavre a disparu ou. Je sais pas. Je sais même pas où t'es en fait. Et puis je sais pas dans quel game vous êtes. Ah. Bah essaye de rejoindre si tu rejoins et que t'es dans. Enfin ça fait pas comme moi, ça veut dire que t'es pas dans la bonne. Il y a 6 serveurs de dispo, j'en ai pris au pif. 6 serveurs? Ouais 6. C'est pas Mako qui a crashé, c'est le jeu, il a crashé, il a cassé tout mon PC, il a cassé Google, Discord, il a tout cassé. Obligé de redémarrer l'ordinateur. Putain, mais il est où quoi? Avant que ça déco, t'étais où? J'étais dans le petit bat de. Ok, je vois où t'étais. Et non, t'y es pas du coup. Ah, j'y suis pas.
Oh. Bah après, tu sais, ça se trouve, t'as des co comme moi, genre, tu sais, moi je suis parti, tu vois. Bah non, mais là, je me suis reco et j'ai bien aucun stuff, hein. J'ai deux mecs qui arrivent, sur moi, poulet. Ouais. Sur la route. Deux mecs qui passent sur la route. Ils arrivent trop vers moi. Sur la route par laquelle on est arrivé. Je suis au niveau de la statue, au cul de la statue, t'es où? Ok, j'arrive, j'arrive. Là, je suis. À droite, du bâtiment à droite. Je suis à ta droite. Ouais, ça engage. Ok. Devant. Sur la. Sur la route mort. Je suis derrière toi, Et dans l'axe de la statue, tu le vois. Tu l'as touché. Monsieur, faut mourir. Voilà, c'est bon. Ouais, c'était un monstre. Merci, poulet. Cookie, c'est normal. En fait, chaque serveur a ses propres slots. À droite, contact route à droite, là. Plein milieu de la route, ça traverse. Ok, bien pris. Fin. Du coup, si tu ne vois pas sur la map, Décoroco, change de serveur. Ouais, bah, je pars ça à chaque fois que je trouve. Donc tout à l'heure, quand j'étais sur un autre serveur, ça m'a pas... On s'en fout à droite, là. Faut vraiment que je trouve le cadavre. Ouais. Ah, parce que perdre un beau stuff comme ça, la K à coil. Bah ouais, j'avoue. Bah après, bon, c'est une alpha, là, pour le coup, on peut pas... Bah, je sais pas, c'est quoi, c'est une alpha, c'est early, c'est bêta, c'est... C'est bêta. Bêta, c'est marqué bêta. Voilà. Là, j'ai pas trop fait à gauche. On va faire à droite maintenant. Enfin, j'ai fait à gauche. On va faire à droite maintenant. Ok. Putain, mais il est où, quoi? Parce que ça se trouve, c'est un bâtiment qui est à côté, hein. In the backyards around the... Pourquoi donc ça va, punaise? Around the town hall, tu sais, ça a pas vraiment de sens, quoi. Je vais juste avancer sur la droite, là où il y a nos alliés, là. Je vais les voir vite fait. Ok. Je vais loot les gars. Merci. Ah. C'est toi? Ouais. Ah, ouais. Un mec traité. Visiblement, j'ai réussi à trouver le bon serveur parce que je peux pas me connecter dessus. C'est quoi qui tire? C'est toi? Non, négatif. Putain, ça me casse les couilles là! Eh ouais, non. Je peux pas me connecter sur le serveur. Sur ce serveur en particulier, je peux pas me connecter. Ça te fait quoi comme erreur? Là. Ok, y a rien, je reviens. Vas-y. Ah. Alors peut-être. Yo 6, alors tu trouves ça comment? Je trouve ça très bien. Non, Lucan. Putain, mais c'est un bonhomme, ça. C'est un player. Fait chier, quoi. Ça se trouve, il y a un autre bâtiment. Un autre town hall. Parce que town hall, c'est la définition exacte, c'est quoi? C'est mairie, non? Mairie, ouais. Oh! Sur moi. J'arrive. T'es où sur toi? Ouais, c'est bon, il est mort, il est mort. En fait, j'allais. Sur la route, c'est toi? Et... Sur la route, ouais, c'est toi? Ok, d'accord, ouais, c'est en haut de la route. En haut de la route. Ok, je te rejoins, il y avait un mec qui est juste derrière là. Véhicule?
Hélico ? Non ? Ouais, j'entends un écho. Toi, t'as une vue de fils de pute ici. Putain, mais ça me saoule quoi, j'arrive pas à le voir. Ouais, Hélico. Ah, c'est bon, Coquille, je te vois en ligne. Oui, non, mais en ligne sur le jeu. Ah. Parce que j'ai dit Rodeco Roco. Yo tout le monde. Oh, ah, bah là, Hélico, là, carrément, je vois plus le serveur. Ouais, c'est un Hélico, je vois Little Bear là qui vient de partir. Ok, ok, ouais, mais bon, ça ne me dit toujours pas où est le fucking cadavre, quoi. Tu l'as trouvé, toi? T'en as vu un ou non? Non. Non, non, c'est... en fait, je suis allé vérifier à droite, il y avait plein de cadavres, mais c'est dû à des scènes de combat là. Rien à voir. Putain, mais est-ce que c'est caché, pas caché? Je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile à trouver en vrai. On va vous rejoindre par l'onglet. Lock, remove. Non, bah non. Plus ça va. C'est quoi ça? Oh, ça tire proche. Comment je suis en bas, c'est en haut. Non, mais. Vas-y, in the backyard around. Ça peut être dans les backyards des autres. Dans les autres backyards around the town hall. Donc ça peut être dans les jardins. Ah, tous les derrière les machins. Non, je sais pas, dans les bâtiments, ça. Mon bug est relatif au serveur sur lequel on, ah ouais, on est. Ouais. Je peux rejoindre n'importe quel autre serveur sauf celui-là. Du coup, adios le stuff. Putain, trop relou quoi. C'est quoi ça? C'est toi? C'est moi. Oh, j'ai mis une tête, ouais. Ouais, report ton problème au Discord. Ouais. Les devs, ils sont assez réactifs. C'est moi. Heureusement, j'ai regardé le nom du serveur, c'est FR2PC. PZ2PC. Putain, c'est mais... où qu'il faut que je reporte? Tu dois avoir un truc report, j'ai un report quelque part. Ou faire un ticket. Mais j'y crois pas quoi. Trop casse-couille. Ah, y'a du monde sur moi. Ah ouais? Ah ouais, il me voit pas, attends. Il met une belle tête. Ah, il est mort. Peut-être pas. Avec tout seul. Y'a pas de personne. Voilà. Go. Ça parle les cossons. Ouais. Dans le bâtiment où t'as fait le kill là. Faut que je vois. Ça tire de ouf. Ouais. Mais d'où les tirs? Ah ouais, non, c'est vraiment qu'ils sont.